Ah mais attends, c'est des bottes supplémentaires, incroyable. Ok. Oh là là, ouais c'est ça, c'est les niveaux plus techniques, ça j'ai l'impression. En fait c'est ça, il y a des niveaux comme ça, c'est ce que je disais sur la preview. Sur la preview, il y avait des moments comme ça où le jeu te mettait en avant des niveaux assez hard. En fait, où tu avais besoin de vraiment te concentrer. Oh, ça passe. Ça va, celui-là, ça va. Attends. Celui-là, ça va. Tranquille. C'est chouette, hein. C'est pas, t'as pas l'impression de refaire la même chose. Il y a des jeux de plateforme comme ça où t'as vraiment l'impression de tout le temps faire la même truc. Là, c'est pas le cas. Après, on avait dit que s'il mettait 2 heures par monde et qu'il y en avait 5, on était à 10 heures à peu près. 15-20 heures, je trouve que c'est un peu surévalué. On verra, hein, mais. Après, les développeurs, ils donnent toujours une vision en mode si t'as galéré sur des trucs, si t'as pris beaucoup de temps sur toi, si je passe 12 heures là-dessus, forcément. Évidemment que tu vas mettre plus de temps. Allez. Voilà. D'ailleurs, parce que ma caméra est un peu haute, ce que je disais, vu que je change de jeu de temps en temps. On va mettre là. Allez. Alors ça, quand tu connais pas, tu peux pas savoir. Hein. Allez, c'est parti. Fouille des citrouilles. Je pense que ce qui me plaisait pas mal dans Flak, c'est ce qui me plaît aussi par exemple dans Ratchet & Clank, c'est que tu pouvais tout détruire et récupérer des matériaux dans tous les sens et tout. C'était assez chouette et tu grandissais en même temps. C'était assez stylé. Et c'était des jeux qui étaient très cool, qui étaient très bien faits. Pas avoir. Ok, on est bon. Parfait.